La culture populaire diffuse énormément de représentations historiques, mais les interprétations ne sont jamais identiques. Vous êtes-vous déjà posé la question à savoir sur quelles sources se basent les maisons de production? À titre d'exemple, alors que Jules César triomphe clairement contre Vercingétorix lors de la bataille d'Alésia, comment se fait-il que la bande dessinée perpétue l'idée d'irréductibles Gaulois? Dans cette situation d'apprentissage, vous aurez à déterminer quelles sources semblent les plus plausibles pour corroborer l'assassinat de Jules César.